Et bonjour à tous et à toutes, je suis Arlus et bienvenue dans un fan game impromptu qui n'était pas prévu à la base parce que actuellement nous sommes le 19 au soir, 21h, et via plusieurs Discord on a averti que il y avait un fan game Rayman qui est sorti après plusieurs années de développement, 3 ans de développement je crois, et Rayman Redemption. Je ne connais pas, j'enregistre tout comme ça dans ce bloc, je ne sais pas à quoi m'attendre. Alors je vais essayer en même temps de... On va faire un classique. Voilà. Actuellement mon ordi est en train de décider. Et je vais essayer la cinématique. Hi folks, you wanna know what's going on? Let me tell you the story of Rayman. In Rayman's world, nature and people live together in peace. The great Protoon provides and maintains the harmony and balance in the world. Sorry, folks, this apparently can't last. One fateful day, the evil Mr. Dark steals the great Protoon and defeats Batilla the Fairy as she tries to protect it. The Electoons, who used to gravitate all around it, lose their natural stability and scatter all over the world. Troublesome, isn't it? And untidy, too. In this now unbalanced world, strange phenomena begin to occur. Freaks and hostile characters appear, capturing every Electoon they can find. They definitely need a hero to save them now! Don't you think? Rayman to the rescue! No problem. Go and free the Electoons, Rayman, and bring back the great Protoon from its mysterious kidnapper. But will the bad guys let him do it? Bon, je vous casse pas que mon jeu est un petit peu ramé. Donc, Rayman Redemption est une version réimaginée avec un poil plus de niveaux, plus de monde, plus d'objets comparé à la version initiale de 95. Ça a pris 3 ans à faire. Je connais rien. Donc là, je vais jouer Vanilla. J'ai jamais fait aucun Rayman de ma vie. Si ce n'est peut-être j'ai testouillé le Rayman Legends que j'ai bien aimé. J'ai quand même essayé d'aller le plus loin possible en espérant que ça n'a pas planté. A priori ça a l'air d'aller. Donc le jeu, nous avons Rayman, les vies, le nombre de coups. Pour le moment ça va, je peux sauter, je peux donner des coups, je peux faire une grimace avec B. Alors je suis sur manette 3-6 toujours, donc à sauter, X pour frapper, j'ai la charge. La croix directionnelle pour déplacer la caméra. Ah, alors j'ai gâchette droite pour s'accroupir à gauche et gâchette gauche pour s'accroupir gâchette droite pour s'accroupir avancer à droite et gâchette gauche pour s'accroupir avancer à gauche. Je peux voler évidemment en maintenant A. Est-ce que je peux cancel? Ah oui, en relâchant. Alors le jeu rame un petit peu du cul, je m'en excuse, hein, configuration, vous savez, des problèmes, tout ça. Nous sommes sur une chaîne de professionnels. Et donc ça c'est une vie. Ça je connais, c'est une vie. Ah par contre il s'accroche automatiquement, c'est pas cool. Voilà, une petite vie et le power pour 2 coups de plus. Ah j'avais oublié qu'il y avait ce genre de plante. Je vais essayer d'aller au moins jusqu'à un boss. Ah, on a plus de musique déjà. La musique. Ah, petit problème au niveau de la musique. A savoir que là, on l'a vu au menu, c'est une version 1.0. Donc, il devrait y avoir des updates d'ici
quelques temps, le temps que les retours se fassent entendre. Alors qu'est-ce que j'ai là? Je peux... Ah oui d'accord, je peux en effet passer avec des longs sauts comme ceci, tel que je me le décris. En bas, il n'y a rien. Et fin du niveau tutoriel. Le seul défaut pour le moment, c'est juste le son qui ne boucle pas, qui s'arrête de manière impromptue. Un peu dommage. Là, j'ai plus de musique, j'ai juste des de l'ambiance sonore. Qu'est-ce que c'est ça? Évidemment, le but de Rayman, évidemment, c'est de récupérer les électrons qui sont disposés et la musique. La musique est arrivée. Ah, petit checkpoint. Je peux pas sauter. Non, je peux pas sauter. Ah, attendez, il y en a un en bas. Le petit bruit de moteur, j'aime beaucoup. Et les électrons sont libérés, ça en fait un seul. Ah, c'est un... juste à côté. C'est un peu petit pour qu'on voit bien. Ah, ça c'est un faux panneau. Ouais. Ou alors c'est le panneau de fin, mais il y a des secrets juste au-dessus. Effectivement, il y avait un petit secret. Pas grand-chose. Mais bon, c'est marrant. Pour le moment ça va, c'est facile et on sent que le premier était là. Ah. Non. Ah ça y est, ça va commencer à m'énerver. Non. Ah je peux pas cancel quand je charge. Petite vie, toujours. Pas de grande difficulté pour le moment. C'est sympa. Ah, et un power. Ah, alors je sais pas si vous l'avez vu, mais l'animation des champignons lorsque je donnais un coup, la tour de champignon qui s'est effondrée. Voilà. Et ouais, quand je passe dessus, ça s'effondre et puis ça refait une tour. C'est marrant ces petites animations. Je sais pas si ça y était déjà dans le jeu PS1. C'est un petit ajout qui est mignon. J'aime beaucoup. J'ai pas appuyé sur A. J'ai pas du tout appuyé sur A. C'est... Ouh. Il y avait un manque, un vide que j'ai bien ressenti. Ah, j'ai le gant. Les gants jaunes. Ah, petit coup. Petite vie.
C'est moi, je me suis raté. C'est un peu gênant de pas avoir de son quand même. Je sais pas vous, je trouve ça gênant. D'ailleurs, en lien de la vidéo, je mettrai le Twitter de la personne et je crois il y a le Discord aussi. À tester, je ne sais plus si le lien d'invitation est toujours bon. Mais soutenez la personne, allez sur le Discord et aussi la page GameJolt parce que c'est un jeu sorti sur GameJolt. Donc si jamais ça vous intéresse, téléchargez, vous pouvez vous créer un compte en précisant ce qui serait bon d'améliorer ou non. C'est toujours utile. C'est un peu chiant ces ennemis là, non? Voilà. Y a pas de musique, donc je pense que je rajouterai peut-être au montage, ou je vais me faire strike. Je sais pas encore. De toute façon, c'est le genre de vidéo que je tourne le soir et juste après, je vais faire le montage, la miniature, et puis ce sera rendu, je pense, pour vous, soit samedi, soit dimanche. En plus de la vidéo de des mercredis, hein, tous les mercredis après-midi, évidemment 15h30, nouvelle vidéo sur la chaîne, j'en profite pour faire la pub. Pour le moment, on est que sur le premier niveau là. C'est un peu long, je m'en souvenais pas. Ah, première fée. Alors bonjour Emma, je suis Bethilda la fée, je vais t'apprendre. Je vais t'aider dans ta quête, tu dois trouver 3 toons. Et relâcher leur puissance parmi les prisonniers. Ils t'aideront Ils t'aideront de manière magique pour t'aider Monsieur Dark. Le premier est caché dans la jungle, gardé par le terrible Mosquito. Le second est sur le plus haut sommet des montagnes bleues. Et le troisième est caché quelque part dans les caves des Scops. Ah ah ah, tu penses vraiment que ça serait aussi simple? Je suis un méchant. Je suis Dark Toon. Je sais pas qui tu es. Je pense que c'est un personnage bonus qui n'était pas dans la version originale. Monsieur Dark, la main droite de Monsieur Dark, il m'a donné le pouvoir de te stopper. Je vais te finir bien avant que tu commences. Et la magie, c'est le pouvoir. Allez, Rayman, prends ceci, cela va t'aider à le vaincre. Et j'ai gagné quelque chose. Ah oui, d'équerre. Ah oui, d'équerre. Au secours, Fireman. Ah oui, alors là, par contre, il y a mon jeu qui est au bout de sa vie. Mon jeu est au bout de sa vie. Je tiens à remercier ma configuration dégueulasse. Mais non, sinon, le jeu est bien. Bon, pour le moment, le jeu est facile, je pense que vous avez compris, ça speedrun. Les secrets de runner. Oh non! Ah, pas de blague! Tu as peut-être battu cette fois-ci, mais je reviendrai. Personne ne me stoppera, Monsieur Dark. Ah, gros, gros, gros! Je suis méchant. C'était le méchant. Mais sinon, petit combat tuto. Alors. J'ai trouvé la fin, je n'ai pas trouvé tous les toons, j'ai pas trouvé un cadeau et je n'ai pas trouvé quelque chose. Ah, un extra, petit challenge, peut-être qu'il y a quelque chose. Bienvenue dans mes niveaux bonus, dans le magasin de niveaux bonus, les jetons de magicien que tu collectes dans les niveaux te permettra de les débloquer. D'accord, donc il y a des petits ajouts en plus, c'est très sympa. Pour le moment c'est sympa. Donc il y a une espèce de 100% en plus du 100%. Sachant que pour finir Rayman, avoir la vraie fin, il faut avoir le 100%, c'est-à-dire tous les toons dans la version PS1. Ce qui en a peut-être découragé plus d'un à l'époque. Ah.
Très, très beau sound effect, hein. De porte qui grince. Et très belle prestation de moi qui rate la plateforme. Alors ça, je pense que c'est des trucs que je débloquerai au fur et à mesure. Donc il y aura du backtracking, évidemment. Mais c'est pas vrai ça. Pour le moment, j'aime beaucoup. Ah non. Reviens, Rayman. Ça, c'est un truc qui va tomber. Ouais. Je l'ai vu, c'était pas la même couleur. Ça, là aussi, on l'a vu. Je l'ai vu juste avant. C'est sans doute quelque chose que je débloquerai plus tard. Ah, je peux pas les frapper, ceux-là. Ok. Ça, ça y était pas dans la version originale. Ah, c'est deux coups. J'avais oublié. Ah, chier. Il y a toujours pas de musique. Hein. Ah, j'ai trouvé le cadeau. J'ai trouvé le cadeau, il était derrière. Il y a un cadeau. Je ne sais pas si normalement on pouvait aller dans derrière les panneaux. Bonne question, ça. Là, y a quoi là-haut? Ah, je t'ai vu. C'est très sympa ces petits ennemis aussi. Il y a un Lums. Enfin, je dis Lums, mais c'est un Toon. Ah, j'ai un peu de mal. Ah! Pas assez loin, tant pis. Hop. Un Lums. Eh! Au secours. Je vais tomber. Je suis mort. Je l'ai vu, je l'ai tombé. Je dois pas regagner de la vie par contre, ou de 100 orbes bleues. Là j'ai 101 orbes. Alors attendez, là qu'est-ce que j'ai dans la pause? Les extras. Oh. Ok, j'ai des skins de Rayman. Des skins d'ennemis. Des skins de checkpoint. Putain, c'est cool ça. Des achievements. Alors, compléter tous les niveaux de la forêt. Jouer à ce. Ouais, et puis après, c'est jouer au jeu pour découvrir. Il y a même les codes. Est-ce que c'est pas génial? Code room. Yes, je sais. Exit level, le nom, etc. C'est très cool. Plein d'ajouts sympas. Est-ce qu'ils y étaient déjà dans la version avant? Je sais pas. Ne me demandez pas. Je rappelle que j'ai fait qu'un seul Rayman dans ma vie, je m'en souviens plus trop. Ah, ok, donc quand tu as délivré les Toons, une cage, la cage est dorée. Ça, c'est très bien. C'est très sympa comme petite. Comme petit visuel. Ah, je peux monter là-haut. C'est cool. Ah, j'ai un super point. Je vais redescendre. Et en plus, il y a une cage. Alors, je vois que j'ai 3 niveaux de points. Qu'est-ce qui se passe si j'arrive au 3ème niveau? Est-ce que je débloque quelque chose? Un truc en plus? Je ne sais pas. Écoutez. Pour le moment, le jeu est beau. Il est maniable. Ça rame pas trop encore pour moi. Donc, c'est une bonne nouvelle pour les petites configurations. Même si, de ce que je vois, il vous faudra quand même un bon 1 giga de RAM pour y jouer, ne serait-ce que pour le début, parce que le début, j'ai eu un petit peu de difficulté avec la cinématique calée. Ah bah, un boss. Parfait. Cool. Alors. Qui es-tu? Ah, va-t'en, les si.
C'est ma maison et tu... Et je n'aime... Et je n'aime... veux pas de personnes suspicieuses. Casse-toi ou bien je te ferai du mal. Et j'ai pas de musique de boss. Ah si, la musique. La musique. Zblu. Et normalement je pouvais enchaîner les speedrunners, ils enchaînent. Je t'ai vu. Ah, je me fais avoir. Je m'ai fait eu. Hop là. Est-ce que je peux l'avoir avec cette technique? Ah oui, je pouvais l'avoir. Et là, normalement, les speedrunners, ils enchaînent. Les speedrunners, ils enchaînent. C'est nul. Remboursé. Vas-y, moi aussi, je vais faire du speedrun de boss. Et je me fais eu. Oh, je suis mauvais, je... Alors, je ne peux pas viser en haut, évidemment. Ça serait trop simple. Zblu. Pour le moment, ça va, c'est juste moi qui suis mauvais. C'était pas ce que je voulais faire. Ah, je me suis levé. Non. Je vous jure, je vais y arriver. Je vous jure, je vais y arriver. Il y a un moment, je vais réussir à jouer. Il y a un moment, ça va le faire. Je joue aux jeux vidéo, c'est ma passion. Et là, il y en a... Voilà, deux fois. Deux fois. Remboursé. Voilà. Zblu. Zblu. Trois. Regardez, trois hits. Trois hits que je lui ai mis. Je suis sûr qu'il y a moyen de le toucher à cette distance. Je ne sais pas comment exactement, mais il y a moyen. Vas-y, descends, descends, descends. Putain, il bouge vite. Il bouge vite. Il bouge trop vite. Zblu, fini. Ben voilà. Achievement unlocked, friends forever. Petite danse. Waouh. Les Friends Forever et le jeu, et c'est même pas terminé. Alors, il y a un bouton de tir, je crois qu'il y a un bouton de dash. Non, pas de bouton de dash. Non, il n'y a qu'un bouton de tir. J'ai raté une vie. C'est moi. Je joue aux jeux vidéo. Ne vous en faites pas, c'est ma passion. Alors, est-ce que c'est normal ça? Ah oui, c'est un bonus et j'ai trois trucs en plus. J'aime bien. Ah. Un petit dé. Petite photo. Petit point de vie en plus. Ah, et là, ça commence à aller plus vite. Tout doucement, pour le moment ça esquive. Ah, ah je les pré-shot tellement fort. Ah, il y a moyen de les enchaîner. Ah, c'est quoi ça? Ah, c'est les tokens de magicien. C'est ce dont on a parlé dans le shop. Pour accéder à des bonus content. Petite photo. Yes, et quatrième. Donc je peux enchaîner, ok. Ah, on peut enchaîner en visant les pieds.
Belle stratégie. Est-ce que c'est prévu par le jeu ça en temps normal? Et la fin du niveau. Bon, je suppose qu'il y a rien de... il y a pas de bonus, il y a rien. Et bah c'était sympa. Et on arrive bientôt sur une demi-heure d'enregistrement. Je pense qu'on a vu le principal. Je vais finir juste avec l'extra ici. Savoir ce que c'est, ce que ça me donne. Votre taquette a juste commencé, Rayman. Je suis ici pour t'aider. Si tu casses 10 cages au total, je peux augmenter ta vie de 1. Ah, intéressant. Donc, il y a de l'amélioration de stats. Ça, c'est très sympa. Et bah, écoutez, Rayman Redemption, voilà, petit aperçu. Tout est en description, le lien pour la page, le lien Twitter du développeur, et si je trouve le Discord, je le mets aussi, je suis pas sûr que le lien d'invitation soit toujours bon. Merci d'avoir regardé cette vidéo, ce petit fan game. Si vous avez des fan games, me conseillez, mettez-la en commentaire, et si vous essayez ce Rayman Redemption, dites aussi en commentaire ce que vous en pensez, et peut-être qu'on y retournera un peu plus tard sur la chaîne pour voir ce qui a été amélioré, ce qui a été revu, etc. Nous sommes déjà en version 1.1, après 3 ans de développement. Il y a encore sûrement quelques petits ajouts, petits correctifs à faire. Je vous invite aussi à aimer la vidéo, à mettre un commentaire, à vous abonner à la chaîne si le contenu vous plaît. Une vidéo tous les mercredis à 15h30. À me suivre sur Twitter où je suis le plus présent, sur Instagram aussi où je parle un petit peu de ce qui se passe dans ma vie et des vidéos. Et voilà. Merci à tous, bon jeu et à la prochaine pour un autre fan game.